Bon là, mon pacalou, ça y est, hein, j'ai bien révisé mes tables d'addition et de multiplication, et je suis sorti pour apprendre les divisions. Très bien, Smarty, très bien. Alors, on va commencer simplement par des divisions simples. Repartons du tableau des multiplications, Smarty. Combien font 8 fois 9? Eh bien, 72, mon pacalou, au croisement de 8 et de 9. Très, très bien. Eh bien, diviser 72 par 9, par exemple, eh bien, cela revient simplement à retrouver le chiffre tel que ce chiffre fois 9 donne 72. Ben, c'est 8, mon pacalou, tu viens de le dire, 8 fois 9, 72. Très bien, Smarty, très bien. En regardant le tableau, on prend la colonne 9, c'est la division, et on cherche la ligne de multiplication qui mène à 72. Et en effet, on trouve bien 8. Eh bien, voilà, tu sais diviser. Déjà, je suis trop fort, mon pacalou. Smarty, attention, hein. On va essayer d'autres trucs avant que tu ne t'enflammes trop. Alors, par exemple, calcule-moi 13 divisé par 5. Ben, je ne peux pas, mon pacalou, là, quand je regarde la colonne 5, je ne vois aucune ligne qui mène à 13. Eh bien, on va essayer avec des croquettes. Oh oui, j'aime beaucoup ça, mon pacalou. Oui, oui, l'idée de calculer avec des croquettes, Smarty. Non, non, mon pacalou, l'idée de les manger. Ça m'aurait étonné. Bon, donc voilà un tas de 13 croquettes. Je veux diviser par 5. Ça veut dire qu'en fait, je veux faire 5 plus petits tas, tous égaux, à partir du gros tas des 13 croquettes. Donc les bols, là, ça représente les 5 plus petits tas. Alors la méthode est assez simple, en fait. Tant qu'il reste au moins 5 croquettes dans le gros tas, j'en prends 5 du gros tas et j'en mets une dans chaque bol, pour être sûr d'avoir la même quantité partout. Alors je fais un tour. Un deuxième tour. Bon, puis là, je tente le... Ah ben non, je ne peux pas faire de troisième tour. Il n'y a plus assez de croquettes pour un troisième tour. Ah ben, j'arrête. Et je dis que 13 divisé par 5 est égal à 2. Oui, mais les trois qui restent là dans ton gros tas, mon pacalou, t'en fais quoi? Eh bien, on appelle ça le reste, justement, de la division. Alors, ça s'appelle la division euclidienne, Smarty, si tu veux être précise. On a déjà vu une vidéo là-dessus. Donc en fait, et pour être parfaitement exact, il faut dire 13 que divise 5, c'est égal à 2 avec un reste de 3. Ou alors, mon pacalou, on dit que 2 fois 5 égale 10, plus le reste 3, ça fait de 13 du début. Exactement, Smarty. Et qu'est-ce qui t'empêche de couper les croquettes en morceaux, là, mon pacalou? Comme ça, on va pouvoir refaire un tour. Alors, c'est absolument vrai, Smarty, on pourrait. Mais à ce moment-là, on aura des morceaux de croquettes. Et on aura ce qu'on appelle des fractions ou des nombres décimaux avec des virgules. Ce sont des nouveaux nombres, mon pacalou? Oui, oui, Smarty. Des nombres en dehors de la liste que tu as prise. Pour l'instant, tu connais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. On appelle ces nombres que tu as pris des entiers. Justement parce qu'on ne fait pas de petits morceaux, on garde nos trucs entiers, nos croquettes entières. Oui, mais ta liste n'a pas de fin, mon pacalou. On peut toujours ajouter un grand nombre. Et puis même le nouveau, là, on peut encore lui ajouter un. Et puis on continue, ça s'arrête jamais. Eh bien, c'est très vrai, Smarty. On dit que l'ensemble des nombres entiers est infini, puisqu'il ne s'arrête jamais. On verra comment nommer les plus grands nombres plus tard dans une autre vidéo. Mais tout ça nous a un peu éloigné des divisions. Alors reprenons notre division de 72 par 9. Donc je veux 9 bols. Alors j'y vais. Un tour. Deux tours. Trois tours. Quatre tours. 5 tours, 6 tours, 7 tours, voilà le 8e tour, et voilà, il n'y a plus de croquettes dans le grand tas, donc on peut dire que 72 se divise exactement par 9 et donne 8 croquettes par bol, c'est parti. Oui, mon pacalou, et c'est l'exact bon moment aussi pour manger les 9 bols. Hein. Ah oui, t'as raison, c'est l'heure. Bon, je te remets tout dans un grand tas et rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres exemples de division de plus en plus complexes. Oh oui, j'ai trop hâte, mon pacalou, j'ai trop hâte. Demandez les croquettes.